Et nous nous retrouvons pour plus de survie du week-end. Alors. On a un beau temps. Il doit faire tout froid par contre. Moins 19, ouais, ça va être chaud. Bah non, ça va être froid du coup. On a une grotte sur le chemin. On va essayer de... On peut peut-être s'abriter, se réchauffer. On est où? Non, on est à droite. On est là pour le moment. Donc, résumé peut-être des épisodes précédents, vite fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert qu'il y a une grotte. Donc, les panneaux, genre... non, il y a une mine. Voilà, c'est une mine qu'on cherche. Les panneaux mine, genre, ça commençait par là. Hein, c'est ça continuait. Donc, apparemment, il y a une mine, mais qui est tout au fond. Tout là-bas. Nous, on est à une maison qui est plutôt sympathique. Honnêtement, on a vu quoi? On a vu des lapins juste avant, je crois. On a vu des trucs. Enfin, voilà. Ça a l'air sympa comme zone. Pas trop dangereuse. Et après, on a avancé. On a vu qu'il y avait une grotte ici. Donc, on peut s'arrêter pour se réchauffer. Et après, on a vu qu'il y avait des loups. Plein de loups gris. Et en théorie, il devrait avoir une mine. De ce que disent les panneaux, en tout cas. Donc, notre but va être d'aller dans la mine. Alors, comment on va faire pour aller dans la mine? Je ne sais pas trop. Est-ce que on essaye de tuer les loups gris? Au passage, ça nous fera aussi un peu de viande. Parce que je sais plus. On n'a plus rien pour le moment. Ça nous fera peut-être un peu de viande. C'est pas une mauvaise idée. On est d'accord que j'ai laissé aucune viande. Ah, ouh. Oh putain, la classe. Oh la vache. Oh, bien caché. Bien caché. Ça nous sert à rien, hein, par contre. Parce qu'on a déjà une. Mais ouais, pas mal. Excusez-moi. Pas mal. On va la mettre... Attendez. On va mettre celle à 89% ici, on va la ranger. Alors, on a un... On va peut-être prendre une fusée. Alors, je pense peut-être le coup de la fusée et courir vers la mine, ça peut être le mieux. Il y a aussi l'arc qu'il faut, économiser pour le moment. Ça peut être le plus intéressant, je pense. Faut qu'on boive... Donc ouais, je sais pas trop. Ou on combat ou on trace. Donc ça va être un peu notre choix. Si bon, on a tout, on a tourné, on est parti. Let's go. Ça va être un peu notre l'autre choix. Ou on combat ou on trace. On va peut-être un peu aller de ce côté-là, voir si on trouve des choses. Que nous, on a fait le côté droit. Pourquoi pas faire le côté gauche? Ah oui, on avait vu qu'il y avait des traces d'élan aussi. Ah, donc, on va voir si on trouve un élan. Si jamais on trouve un élan, je vais être honnête, on fait d'abord la chasse à l'élan. Parce que, encore une fois, c'est un peu comme les peaux d'ours. Ça met énormément de jours à sécher. Donc, autant tuer le truc rapidement. Et puis, ça nous fera un apport de nourriture énorme. Je crois bien qu'on avait vu des traces d'élan, hein, la dernière fois. Si je dis pas de bêtises. Je crois. Hein. Oui. Là, on a la route. On va courir un tout petit peu. Sur la route, on marche plus vite. Attends, nous on était passé par la droite. Il y a un chemin qui va vers la gauche. C'est quoi ça? Une mine? Ah! Aurait-on un autre chemin? Mine? Pourquoi tu me dis là-bas? Je me suis trompé de sens? Où est-ce qu'on est? Bon, oubliez ce que je viens de dire, on voyage, on explore. Oubliez tout ce que je viens de dire. Où est-ce que ça va? OMG, je suis de retour là, moi. Attendez, on va se réchauffer.
Mais OMG quoi. Donc on peut passer par là. Intéressant. Ah. Ok. Donc là, on est dans le mobilhome. Alors attendez, qu'on regarde un peu là. Ouais, là c'est où qu'on a laissé toutes nos peaux. Donc attendez, donc nous... Donc on est là. Donc en gros, ce qu'on a fait, c'est ça. On est passé par la gauche. Et là, en fait, on est retombé là-dessus. Ok, ça marche. Donc on peut faire le sens inverse. Ça marche. On commence un peu à piger la carte, vite fait. Encore une fois, ce qui est chiant en intrus, c'est qu'on peut pas rester trop dehors. Donc du coup, on a froid. On a froid, on a froid. On va dormir une heure pour se réchauffer, puis on repart. C'est con parce qu'on perd du temps, en fait. J'espère vraiment que le temps va s'améliorer. Ok, let's go. Mais non, c'est intéressant. C'est intéressant, là. La façon où est faite la zone. Ah, ah ben voilà, c'est déjà mieux. Un peu moins froid. Excusez-moi. Un peu moins froid et il fait extrêmement jour. Donc là, par exemple, on peut faire du feu. Je suis sûr qu'on peut passer par là aussi. On va passer par le chemin qu'on a pris, mais... je suis sûr qu'on peut faire du feu. Ça, ce serait une bonne chose. Du feu gratuit. Ah ouais, là c'est un peu mieux. Là. C'est un peu mieux niveau chaleur. Faut bien rester à l'affût. C'est pour ça que je fais des pauses hein, quand je parle. C'est pour entendre les bruits des bestioles, juste au cas où. On a une grotte là? C'est la grotte où on était ou pas? J'ai l'impression d'entendre quelque chose. Ah, voilà, bien ce que je pensais, ok. Ok, donc là on a une... On a une grotte ours. C'est pas la grotte où on était. C'est pas la grotte où on était. Enfin, je crois pas. Si ? J'en sais rien, honnêtement. Donc on a un ours. Je pensais que j'entendais des choses. Donc on a un ours. On va pas combattre l'ours. On va pas le combattre. Enfin, honnêtement, ce serait le mieux parce que oui, parce qu'il fait pas froid en fait. Et je suis complètement paumé en fait. Je dois avouer que là... Là, je sais pas où on va en fait. J'ai dû bifurquer. En fait, je devrais complètement longer la paroi de droite. Tout simplement. Je devrais complètement longer la paroi de droite et point barre. Au lieu de vadrouiller comme ça. Mais bon. Hein. L'exploration, ça fait pas de mal. Sauf qu'on tombe nez à nez avec un ours, ça c'est autre chose. Où est-ce qu'on est? Maintenant, si on peut grimper ça et sauter directement. Ah, je pense aussi. Ah, attends. Oh là là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh la vache. Ok. Faites pas ça chez vous.
Ok. Est-ce qu'on est déjà venu ici? Donc non. Comment on se retrouve ici? C'est ouf! C'est incroyable! Du coup, est-ce qu'on pourrait retourner à la prison, vite fait? Genre histoire de... Ah, ils font que passer. On est au-dessus de la prison. Oui. Donc là, nous, on est... Ah, ok, on est devant. Est-ce qu'on pourra remonter ou pas? Ah, merde, je crois qu'on pourra pas remonter. C'est pas très grave, honnêtement. Enfin, ça va nous faire faire un détour, c'est pas grave, hein. On va faire autre chose, du coup. Mais il faut que je change d'arc. Et tout ça, faut que je fasse quelques trucs vite fait. Faut qu'on regarde ce qu'on avait mis de côté. Donc, c'est pas si mal. Donc si je dis pas de conneries, à droite, on devrait pouvoir remonter vers la prison. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui rôde autour. Est-ce qu'on va pouvoir... Là, c'est trop pentu, là. Là, peut-être? Ok, donc là on a fait le tour. Donc c'est intéressant ce qu'on vient de faire, c'est intéressant. Par contre, je crois pas qu'on puisse revenir en fait, parce que vous voyez le tronc d'arbre là, l'arbre qui tombe. J'ai pas l'impression qu'on puisse remonter, genre là en plein dans le carré en face là. J'ai l'impression qu'on peut pas remonter. Donc ça c'est un problème. Donc du coup, ça va être la merde pour repartir. Mais bon, c'est pas grave. Comme j'ai dit, je voulais revenir à la prison à un moment ou à un autre. Bon bah du coup, ça sera maintenant. Ça sera maintenant. Voilà. Ah, je pensais pas qu'on allait retomber là, quoi. Je pensais vraiment pas. Est-ce qu'on a besoin de la lampe? La lampe, elle est à 1 litre, très bien. 98, 100%, très bien. On va laisser ça. Hmm.
Loup séché. Alors. Ça. Du cuir séché, on va le garder, je pense. Enfin, quoique, non, on n'a pas vraiment. Le cuir séché, c'est pour quel vêtement? Je crois que c'est pour le sac. Le sac. Et c'est tout, je crois. Il n'y a rien d'autre qui demande du cuir. Donc le cuir séché, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de le garder sur nous. Alors, du tissu. On en a. Là, on a des fûts de flèche. J'ai envie de prendre les fûts de flèche. On est à combien? Attendez, on va prendre ça. Fûts de flèche. Allô? Voilà. 0,25. Et ça, c'est 0,35. Ça fait presque un petit kilo. En plus. Ah tiens, on avait déjà une bouteille dedans. Ça fait presque un petit kilo à l'intérieur. C'est pas très grave. On va aller, enfin, à l'intérieur, je veux dire sur nous. Donc du coup, on va pouvoir le prendre. C'est pour en fait faire les flèches si jamais on trouve un établi et qu'on a du temps à perdre. C'est tout simplement pour ça, en fait. C'est pour qu'on puisse le faire. Ça c'est bon, ça c'est bon. On a un livre pour lire. Or l'arc, on va l'échanger. Juste pour être sûr. Après, on n'a pas besoin honnêtement de l'échanger, l'arc, je pense. Je vais être honnête, hein. je pense pas qu'on ait besoin. Mais si jamais on part longtemps, c'est mieux quand même. Hein, on va dire que c'est quand même un peu mieux. Voilà, ça c'est bien comme ça. Là, on a encore des allumettes. On pourrait faire ça. Prendre les 12 avec nous. Voilà, c'est déjà bien. On a pris combien de charges? 6. Très bien. On va déposer un litre d'eau. Et on va repartir. Hein. On va essayer de revenir où on était, quoi. Faire attention qu'il n'y ait pas le loup qui soit revenu. Ah, le vent de merde. On va pouvoir se goinfrer aussi de viande. C'est bien. On m'a dit qu'on pouvait monter et que aller dans l'infirmerie apparemment depuis le toit. Mais moi, de ce que j'avais vu, non. Enfin, je sais pas. Après, de toute façon, là, pour le moment, on n'est pas là à tester ça. On est là pour faire autre chose. Donc, autant se concentrer sur ce qu'on veut faire. Là, on a eu un petit détour, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ça, c'est de la viande cuite, on est d'accord. Ouais. On a un faitout là. Le faitout, on le garde. Ah oui, c'est vrai que là, on avait plein de trucs. Très bien. Tu fais aussi un kilo? Non. C'est bien de l'eau propre que je viens de boire, non? Ouais. On est là. On va faire ça. Ouais, ça. Allez, on y va. Donc maintenant, on repart. Bah, pas par là, parce qu'il n'y a rien, en fait. Par là? Merde.
Faut que je réfléchisse 5 secondes. Ah, c'est emmerdant parce qu'il faut encore réutiliser la lampe. Ah, attendez, là, c'est la lampe. Attendez, attendez. Sinon, on est là. Après, on sort par ici. Du coup, il faudrait refaire... Ah non, putain, il faut refaire tout chemin comme ça. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, parce que là, en fait, si je prends le souterrain, on retourne ici. Donc du coup, faut se retaper tout chemin comme ça. Bon après, maintenant qu'on connaît, c'est pas très difficile. Mais non, du coup, on va sortir... Ah oui, on va sortir par là. Et on va... Ah putain, mais là, c'est la foire au loup gris, quoi. On va voir si on peut pas revenir... si on peut pas repasser par là. J'ai envie de voir. Ouais, parce que sinon, ça va être la foire au loup gris, en fait. C'est ça, le problème. Et j'ai pas vraiment envie de combattre. J'ai vraiment pas envie de combattre en fait. Le problème c'est que c'est en fait c'est simple hein, de combattre, mais du coup ça donne envie d'aller dépecer, récupérer la viande et tout ça, donc du coup bah oui ça sera un épisode de chasse plutôt qu'un épisode d'exploration. Alors que là, je voulais vraiment faire un épisode d'exploration. Donc on va voir si on peut pas remonter la pente. Fait un peu froid, on aura le... Pardon. On aura la grotte pour... Oh non, il y a une tempête qui se lève. Merde. Oh la vache. Un peu trop pentu. Voilà, c'est là que je vais aller. Allez, saloperie de vent, quoi. C'est un blizzard, c'est bien. Ouais, c'est là, on peut pas. Hein. Bon allez, on rentre à la prison. Oh là là. Drive if I don't warm up soon. Allez, monte. Ah, je vais être honnête. Pas heureux, là. Pas heureux du tout. Pas heureux du tout. Ouais, ça me fait plus chier qu'autre chose, là, j'avoue. Ça me fait beaucoup plus chier qu'autre chose. Là, on n'avance pas, là. Là, c'est con, là. Là, c'est très très bête.
Oh bah ok, c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a un établi à, proche de la porte là-bas, où fait qu'on peut aller dans le souterrain. Mais le problème, c'est que en pleine tempête comme ça, est-ce que l'établi il est chaud ou il est froid? Je pense que ça doit être tout froid, parce que vu le. Il doit faire moins 50 là, non? On peut aller voir vite fait. Ah, et après, on se. S'il fait trop froid, on se réfugie. Dans le souterrain. Je pense qu'il va faire trop froid, hein, ça serait débile qu'il fasse chaud. Quoi. Attendez, on va prendre la nourriture et de l'eau. Non, on est à 48. Ça marche. Je pensais qu'on était à 43 au début. J'ai du mal à voir. Alors ce qu'on peut faire, c'est on repasse par les souterrains. Ouais, on fait le long chemin. On va devoir faire le long chemin. Ça c'est pour faire quoi? Je me rappelle plus déjà. Fût de flèche, boulot. On va prendre le boulot avec nous. J'ai rien en dessous. J'ai rien en dessous. On va prendre le boulot avec nous, comme ça on fera des fûts de flèches. Je suis en train de me prendre un peu trop de poids. Ah putain, j'aurais dû laisser une des deux. J'ai trop de poids sur moi. Bon, c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Allez, on y va. Aïe 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 aïe, c'est reparti. Ah, on va essayer de tracer pour éviter de d'utiliser la lampe. Pas trop longtemps en tout cas. Ah, et après quand on sera au bout du chemin, on ira, on dormira. On essaiera de passer la nuit. Ça fait quand même un peu chier de devoir se retaper les loups gris et tout. Parce que là, on prend le. On prend vraiment le long chemin. Mais bon. Ça nous fera un peu plus d'exploration, c'est pas trop trop grave. Maintenant on commence à connaître. Après, ce qu'on aurait pu faire, c'est passer devant la prison, je pense. Et faire un petit détour. Je vais essayer de le montrer sur la map. Faire un petit détour, on aurait peut-être pu explorer et on aurait pu peut-être revenir sur nos pas plus rapidement. Je pense, je suis pas sûr. On va aller dans le barrage. Voilà. Ah, c'est top pour dormir ici. Entre le bruit du vent et le bruit de l'eau. Voilà, je pensais genre
Attendez, si on a le stockage ici, donc là. Donc au lieu de revenir ici, parce qu'on n'arrive pas en fait, on peut pas revenir ici. On fait comme ça, ligne droite. Et on retombe là en fait. Et là après on peut continuer je pense. Mais du coup avec la tempête et tout on peut pas, donc au moins on s'avance là, puis on... Puis ouais, on refait les on refait le chemin quoi. C'est un peu chiant mais... On va essayer d'aller au mobilhome directement et après on fait ça. Ouais. Ah c'est un peu relou hein, mais bon. Pas trop le choix. Ça va pas être l'épisode le plus intéressant au monde. On aurait dû s'arrêter et combattre l'ours. Je suis en train de me dire. On aurait juste dû combattre l'ours. On aurait eu plein de viande. On aurait une peau en plus. Ouais. Ça aurait été beaucoup mieux en fait. Là on perd du temps, on fait pas grand chose d'intéressant. C'est bof. Pas très très heureux en fait. On va voir un peu le temps. Si le temps il est bon, on avance de nuit. Bon bah voilà, ça c'est dit. Donc on ne fera pas, c'est bien. est-ce qu'on peut... Excusez-moi, mal à la gorge. Est-ce qu'on peut... Faire des trucs intéressants. 27 minutes pour détruire une boîte en carton. Ah ben putain. Je suis toujours intrigué, hein, mais je pense pas qu'on puisse descendre. Il y a juste ce passage là. Mais ouais. Boîte de contrôle cassée en métal. Quoi? Pourquoi tu veux pas le faire? Sans lumière, tu te fous de moi? Ah oui, bah oui, c'est la nuit, quoi. Bah, par défaut, tu veux pas le faire. C'est marrant, ça, tiens. Est-ce que ça donne juste du métal ou est-ce qu'il faut l'ouvrir pour accéder à quelque chose? Vous voyez ce que je veux dire? Marrant. Oh. Ah putain, quitter la centrale. Juste la hitbox de la porte, elle est pourrie. Elle est super large. Je me suis dit, ah, on a encore trouvé un truc. On va juste attendre. Très bien, on va dormir. Oh là là, c'est bon là ou pas? Non, toujours pas. Et oui, je sais, c'est lourd. Là, ce sera beaucoup moins lourd. Ouais, très bien. On y est presque, hein. Il faut que les branches du soleil, là, elles arrivent sur l'horizon. Qu'est-ce qu'on fait? On fait passer le temps.
Ah, ce bruit. Non, y a rien. Ok. Bon, bah, je pensais qu'on allait voir un truc, ça aurait pu être cool, mais non. Ah non, on se casse. Ça aurait pu être sympa. Ah ouais, tant de merde encore. On va dormir encore une heure, le temps que le soleil se lève complètement. Et après, on va partir. Donc, on fait ligne droite par la gauche. Nous, on sort là. Donc, on fait comme ça. Ligne droite. On reste tout le long du bord, en fait. Comme ça, on remonte vers le mobilhome. Et après, on continue comme ça. Je sais pas si on peut passer par là. Peut-être qu'il faut passer comme ça. Je sais plus. Et on prie pour pas se faire aggro par des loups gris. Ça serait chiant. Honnêtement, ça serait chiant. J'ai vraiment pas envie de les combattre. Ok, là c'est pas mal. On a froid. Ok, ils ont peur, on y va. Ah, dès le début, on sort loup gris, quoi, direct. C'est ouf, quand même. Il était vers la droite, le truc. Ah, là-bas. Là. Ok, on va monter par là. Je sais plus par où on devait passer. Oh la vache. Ok, je crois qu'on est bon. Et on est bon. Là, c'est le chemin pour le mobilhome. Bien le chemin pour mobilhome, ça, ouais. Et là, on a de l'ours à manger. On a de l'ours à manger. C'est bien d'avoir plusieurs camps quand même, hein, comme ça. C'est pas mal. Ah oui, par contre, il n'y a pas d'établi ici. Ah, j'aurais bien fait une pause. Les râpes, ça c'est pour faire un arc. Un boyau séché, du lapin aussi. Ok, maintenant on passe par où? Par derrière, je crois. On va prendre deux steaks d'ours. On va prendre un deuxième steak d'ours. Les peaux de lapin, est-ce qu'on en a besoin? Ah oui, on pourrait faire une pause ici pour rafistoler en fait les vêtements. Je crois, attendez. Voilà. Attendez, on va peut-être en profiter. On va peut-être en profiter. Genre ça, réparer 22 minutes. 22 minutes, 36 minutes. 36. Et yeah, on en profite. Yeah, on en profite. Très bien, et ça.
Voilà, très bien. Et maintenant, c'est que du cerf. Voilà, qui manque. C'est que du cerf. On va manger ça. Ok, maintenant, on est là. Donc nous, on veut... Donc ça, c'est la montée, là, avec l'arbre, là où on a mis la flèche. Donc nous, on veut continuer par là. Ça marche. Du coup, j'ai rien de plus. C'est du métal, on va le poser quand même, si on s'en fout. On le garde. J'avais apparemment du boyau séché en trop. Ok, let's go. Là, on n'a plus besoin de retourner à droite, donc on est tranquille au niveau des loups. Ouais, très bien. Très bien.